tous, c'est Nono. Salut. On se trouve. Et Saran. Yes. Je suis en guest. Hein. C'est ça. Ma guest star du jour. Yes. Guest star. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Enfin, pas un concept, mais un nouveau type de vidéo. Ouais. Sur le jeu Hearthstone. Ouais. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que toutes les semaines, une fois par semaine, je vais jouer au bras de fer, donc le nouveau bras de fer de la semaine, et le jouer pour vous. Voilà. Ça me fait plaisir. Alors moi je connais un tout petit peu Hearthstone, je connais pas du tout le principe du bras de fer, c'est pour ça que je suis là pour le premier, j'ai envie de te regarder. Voilà. J'ai envie de te regarder, en plus tu joues sur mon PC, donc j'ai le droit d'être là, masque. Et non, j'ai hâte de voir ça, c'est cool, j'ai hâte de voir ton niveau, parce que moi je joue un tout petit peu, je suis nul, mais j'ai hâte de voir si tu t'as bien cru, tu vois. Disons que j'ai pas le niveau des joueurs professionnels qui jouent pour Blizzard ou des trucs comme ça. Bah Mais je m'en sors très bien. Disons que là, le bras de fer, bon bah pour aujourd'hui, pour cette semaine, je l'ai déjà fait. Après, la semaine prochaine, ce sera le bras de fer du jour et je l'aurai pas encore fait. Mais c'est vrai que là, je l'ai déjà fait aujourd'hui et donc en général, je fais un bras de fer. La première partie, c'est une victoire. Yes. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Après, est-ce que ça va durer, je ne sais pas. Nous verrons bien. Donc du coup... Montre-moi ça. On va y aller. C'est parti. Dans un bras de fer, tu m'as dit, ça va être tout fait. Pour celui-ci, c'est imposé. C'est pas à chaque fois imposé. Là, ah d'accord, ça dépend des bras de fer. Okay. Voilà. Pour celui-là, il est imposé. Donc là, le bras de fer, le principe, c'est on va être deux joueurs. Et le but, ça va être de s'entraider. On va avoir un pouvoir héroïque qui... Okay. Pour ceux qui connaissent... Deux joueurs, deux vrais joueurs. Voilà, deux vrais joueurs. Bah, je vais expliquer en jouant, vas-y, ce sera plus simple. Vas-y, ouais, t'as raison. Essaye de pas trop bouger ton siège. Ouais. C'est un type que t'as. T'inquiète. J'ai envie d'avoir un pin, tu vois. Twerk. Twerk sur ton siège. Alors, adversaire convenable. En fait, ça c'est des conneries, ça. Mais c'est à chaque fois, c'est ça. Donc en fait, pour ce bras de fer-là, il n'y a que soit voleur, soit druide comme classe. Donc c'est alternatif. Je dois protéger. Tu préfères quoi, druide ou voleur? Je préfère être voleur. Donc t'es druide, c'est cool. Nickel. Attends, je pousse le papier. Non, tu arriveras pas. Ça va pas. Ah merde. Ah, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Ouais. Donc. Alors là, tu changes tes cartes comme d'habitude. Bon, ça, je connais un peu le délire. Voilà. Bon, je change tes cartes. Ça m'a l'air pas trop mal. Enfin, moi, je trouve que ça fait trop mal. Les pros me diront. Mais... Bonne année. Donc voilà. Donc le principe de ce bras de fer là, c'est qu'on va avoir ce pouvoir héroïque. Ce pouvoir héroïque là, ça va être créer des décorations pour l'auberge. Le but, c'est d'en faire 25 décorations. D'accord. Donc pour l'instant. Ah, faut utiliser ton pouvoir héroïque qui te coûte 1, mais il faut faire autre chose pour pas mourir non plus. En gros, c'est ça. Ça. Ouais, si je comprends bien. Donc, pour l'instant, à la limite, je vais commencer par faire ça. T'invoques un golem, c'est ça? Soit j'invoque un golem, soit je place 3 cartes d'idoles dans mon deck. Donc je sais pas si je vais faire la bonne truc, mais moi je préfère faire ça pour l'instant. D'accord. Ok, idoles s'il vous plaît. Fin de tour. Ça te rappelle cette idole? Ah si, dans ton deck. Ouais, c'est parti dans mon deck. Ah, ça te remet les cartes. J'ai le plus gros poisson. J'ai compris. Là, il est un peu sympa quand même. Voilà. Et en fait, là, ce qui vient d'arriver, c'est le triple effet, ils appellent ça, et c'est une créature... T'as pas le contrôle dessus. En gros, elle va attaquer directement le héros d'en face. Et pourquoi elle a été invoquée, elle? C'est le bras de fer, en fait, qui l'a invoqué. Ok. Et du coup, en fait, le but pour nous deux joueurs, ça va être de buter cette créature-là. Parce qu'elle va nous empêcher de faire nos décorations. Elle a provocation, donc elle empêche obligé d'attaquer. Donc au lieu de se taper l'un contre l'autre, on va taper les créatures qui vont arriver sur le terrain. Ok. Pour pouvoir mutuellement se sauver. Donc on va avoir plusieurs cartes... Là par exemple, si je veux le sauver, hop, je vais le détruire. Avec une carte qui fait détruire la créature et piocher deux cartes. D'accord. À l'adversaire. Oh. Voilà, donc comme ça, ça lui évite de prendre. C'est gentil. Là, je sais pas s'il va la détruire, mais tu vas voir du coup s'il la détruit pas que ça va directement m'attaquer. Et je peux rien faire là-dessus, je peux juste la détruire. D'accord. Là, il t'a mis. Attaquer. Donc en fait t'as dit merci mais c'est un salaud. Et on remarquera le magnifique. Bah, en fait ça dépend s'il a les cartes qu'il faut ou pas. Oui c'est vrai que toi tu... Oui. Et toi on remarquera que t'as un magnifique pseudo qui s'appelle Nono Licorne, hein, c'est vraiment bien honte. Parce que je kiffe les licornes, enfin j'adore tout ce qui est les choses qui sont pas réelles. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis pour l'instant là je vais faire... Je vais t'attaquer à 6. Et en fait, si tu perds THP, bah ton comment on appelle ça, ton mes points de vie, bah ton point de vie avant d'avoir fait tous tes hôtels. Voilà. Et faut les faire chez l'ennemi, les hôtels. Non, chez toi.
les hôtels, les, pas les hôtels, les décorations. Les décorations. Il y en a déjà 5 quand t'en as 0. Non, non, c'est les deux circuits. Ok. Tu dois en faire 25 à 2. Ok. Je comprends pas tout, hein, mais bon, si vous comprenez, c'est cool. Moi, je suis juste là pour regarder. Bon, c'est pour le premier truc, hein. J'expliquerai sûrement mieux la prochaine fois. De toute façon, la prochaine fois, on le découvrira ensemble. Ce sera l'autre bras de fer, en fait. C'est ça. Ouais. À chaque fois, c'est un bras de fer différent. D'accord. Ouais. Oh putain. Bah oui, j'ai repioché la même carte que... Bon, de toute façon, cette vidéo se destinera sûrement aux gens qui aiment déjà Stone, on verra, mais... Voilà. Que faire? Ça m'invoque un golem de jade et ça me donne un cristal de mana. Comme ça, au prochain tour, au lieu d'être au tour 5, bah, je serai directement au tour 6. Ok, très bien. Et tu vas attaquer une de ces créatures, hein. On va faire ça. Okay. Et là, je vais attaquer, bah là, je... Une de ces créatures, hein, de la péter. Voilà. Ah, tu peux même pas la péter, oui, t'as non, mis que 4. Non, je peux même pas la péter, j'ai passé, c'est pour ça que j'ai un bouclier. Ok, pour me soutenir ton personnage qui fait les 4 de dégâts, vu qu'ils ont 5 de vie. Puis là, j'ai pas de sort pour détruire. Bon. Que va-t-on faire? Ça coûte combien de mana de faire une déco? Ça coûte autant qu'il t'investe en fait. Donc à la limite, ce que je vais faire. Je vais faire ça. Mais t'en as beaucoup plus. T'as beaucoup 6 déco. C'est ça. Là, j'en ai beaucoup plus. Tu vas C'est pas mal. Ça, je suis dans la conscience. Mais après, il y a des cartes aussi dans ce bras de fer qui redonnent des points de vie soit à toi, soit à l'adversaire. Le but, c'est de s'entraider en fait. Ouais, c'est ça marrant. C'est marrant, c'est un mode de jeu d'Hearthstone où on joue pas l'un contre l'autre. C'est pas ça. Parce qu'on gagne à deux, on perd à deux. C'est ça. Je l'ai fait ce matin. Non, c'était pas ce matin, c'était hier matin. Ouais. Je l'ai fait, j'ai trop kiffé. J'étais waouh, c'est trop cool. Ouais, ça a l'air sympa. Là, tu vois, il vient de. Enfin, il est en train de me sauver en fait. Il est en train de me sauver. Il l'a tué pour moi. Ouais, c'est cool. Oh, 40 HP à 2. Ça c'est utile. 34 points à chaque héros. C'est vraiment bien. Comme ça, je la fais mourir sur un truc comme ça. Et ça nous rend chacun 4 points. Pas bête. Et puis, on va continuer à faire ça. Invoque. Ça me donne un cristal de mal en plus, comme ça je peux faire. Ça t'a coûté un mana de la lancée. Ah la non, ça m'a coûté 0. Si, ça t'a coûté un mana, j'ai vu. Non, ah, ça t'a coûté 0. Ah non, je peux pas. Moi je joue à Pokémon. Merci. C'est pas la même chose, ok. Ah, c'est pas du même monde. Il y a des erreurs. Ah merde. J'ai dû faire de. De toute façon, je suis pas joueur pro du tout. Je vais sûrement faire de la merde. Non, mais non, non. Je joue moins quand je joue, par exemple. Ah, parce qu'il a tué ta En gros, sa créate là c'était Râle d'agonie. En gros, Râle d'agonie c'est quand elle meurt, elle fait quelque chose. D'accord. Et ça rend envie d'HP. Râle d'agonie, voilà. C'était, ça m'en dit. Et toi, t'as toujours ta créature qui va te rendre. Et d'ailleurs, j'ai la même. Ah, super. Super. Pour l'aider. Ça risque de piquer un peu. Et bah, le coup de tout d'après, le tour d'après, tu le mettras à l'autre. Je vais faire ça pour jouer. Ah 9. Non, c'est pas 9. Ah 18 déco sur moi. C'est bon. Oui, ça va, mais après il y a la pignata quand même. La pignata. On verra après la pignata. Les loups de givre sont. La pignata, c'est un peu la merde parce que quand la pignata arrive, eux ça devient des stuns. Il y a eu des. Là c'est vraiment le bordel. Des effets secondaires. Oh là là, ça fait. Je vais couper ces émotes parce que sinon je vais pas arrêter d'avoir des. Il y a eu des erreurs. Oui, je sais. Je joue pas comme ça, rien. Mais j'aime jouer. Bah t'as raison. Tu as raison. Enfin, t'as encore la même là, t'as Râle d'agonie. Alors ça, Krieger et Râle d'agonie, ouais, c'est un vote des golems, ça c'est cool. Ouais, carrément. Ça met du monde sur le ça, tapis. Ça, c'est une grosse crate, mais ça, l'ami, je vais la garder pour la pignata. Je sais pas, on a combien, on a 21, faut que je... Si ça sert à rien, t'as juste besoin de faire un 4. Un 4... Ouais, bah on va juste sur ça, ça fait une même chose. Attaque sans sa créature de merde avec. Et hop!
Et on a la piñata. Alors là, et là maintenant, la piñata. Oh putain! Ça m'a réuni mon board. Mais d'où ça m'a réuni mon board? Mais pourquoi? Je sais pas, ça m'a 85 HP. Ouais, 85 HP. Mais faut que tu la détruises toi-même aussi avec des cartes, essayons. Bah, tu faut que t'aies des. Ah, c'est chaud. Mais sauf que ça vient de me réunir mon board. Mais et j'ai pas compris parce que ça m'a pas fait ça aujourd'hui ni hier. Du coup, là, je comprends pas trop. Et du coup, le pouvoir est relié qu'à changer. Ça inflige 3 la piñata. C'est ce qu'il faut. Ton but c'est de la détruire. C'est ça. Donc faut que tu. Dans un maximum de respect à ton. C'est ça. Il faut qu'on pose des grosses craques pour aller vite en fait. Parce que ça, sinon ça va être impossible à gérer. Faut gérer ça et ça en même temps. Donc en fait, faut que tu mettes des gens sur ton bord droit. Ces trucs là et ce truc là. Ok. Elle, elle a 5 points d'attaque, donc par rapport à la vie de ton personnage, je peux aussi mourir. Me décide. Aïe, donc la piñata est de son côté pour que ça puisse jouer. Bah oui, c'est logique, pour que tu puisses attaquer. C'est ça. Ok. Alors là, ce qu'on peut faire, un truc qui est cool, c'est poser cette créature là. Donc c'est une légendaire qui d'accord, ouais, ok. Ça t'a coûté 10, mais. Mais ça m'a redonné 10. Ça t'a redonné 10, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Ça. Baignez tout chaud. Qui veut mes pour baigner. Du poulet, c'est important. Oui, voilà. Ça sert plus trop à manger. Les golems sont les meilleurs amis de la femme. Merde. Et tu vas attaquer son espèce de truc qui lui enlève, qui t'enlève des points aussi. Frappe de Finkel. Ça pour ah oh bah il est terminé. Parce qu'après je vais avoir ah ça ouais, à gérer. Ça, carrément. Ça à la limite je vais pouvoir le gérer les deux après mais c'est chiant mais quoi. Tu pourras pas attaquer la piñata quoi. Bah c'est ça, bah je pourrais l'attaquer mais pas trop fort quoi. Ouais. Donc du coup ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit? Oui. Des fois ça demande. J'ai le cap pour la première de ces trucs, c'est bien. Ah bah il vient de me sauver. Attends, je vais lui dire merci quand même. Non ah, c'est pas, je c'est vous pas, remercie. Je vous remercie. Tout enlever ces trucs à lui, donc il peut rien dire. Il peut même pas dire de rien. Il tape la pigne. Et la partie de ce matin, j'ai fait. On s'est retrouvés tous les deux à 10 points de vie. C'était trop le bordel, c'était la merde. À un moment, 10 points de vie, ça va encore. Bah, quand t'as un boss qui se retrouve face à 10 points, c'est pas compliqué. Du coup, comment on va faire? On va perdre, c'est obligé. Et par un retournement de situation, on a réussi à monter. On est resté à 15 points de vie tout le long du tour. Bravo. Ça alternait. Mais c'est quand même arrivé. Alors. Rends 8 points de vie. Quand il meurt, oui, quand il meurt. Ouais, mais meule-le, au pire. Ça, c'est fou. Je me demande. La gazette de Gadgetzan. Toujours mon adversaire va piocher une carte, ça va lui rajouter plus en plus. D'accord. Et je pose ça, mais si il pioche une carte, ça lui rajoute déjà plus en plus. Hein. Ah non, c'est quand il meurt, je suis con. Bah quand il mourra. Ouais, tu peux l'utiliser pour attaquer au prochain tour. C'est ça. Pliez-vous à ma volonté. Vous allez payer. D'accord, je vois que je me garde pas mal pour moi. Ça raye, enfin, ça met 2 à tout le board et même quoi, à au personnage. Bah, non, c'est un truc que la piñata ravage toute seule. Je crois, ouais. Bon, faut que vous fassiez d'abord HP. Le prince-marchand Galiwix est là. T'as vu, t'as 17, il a 14, lui. Ouais. HP. Donc, attention. Attention. Ah non, si. Ça obtient une pièce. Ah oui, ça c'est cool. Je l'avais vu ce matin aussi. Donc là, c'est des decks qui vous sont imposés. Hein. Les decks de base. Ouais. Ok. Là, c'est de l'air. C'est pas des decks de base, mais c'est des decks qui vous sont imposés. Ah. Ce ah, c'est pas mal à la piñata, remarque. Ah, mais par contre, pour acheter. J'ai pas l'état, non.
L'étale, en gros, c'est tu butes, butes en un tour. Mais là, je l'ai pas. Ça va lui infliger 10. Oh putain. Est-ce que je vais pouvoir le sauver? Mon dieu. Ah, mais si. Mais si. Je me demande. Ça inflige 3. Non, j'ai pas. Il me manque 1. On va faire ça. On va prier d'avoir quelque chose de bien. Et. Non. Ah non. Attends, t'as eu autre chose, T'as eu autre chose après. Ouais, j'ai eu rang 8 PV à mon héros, mais pas à lui. Oh non. Oh non, je crois qu'on va perdre. Eh ben, c'est pas grave, ce sera pas. On n'attend personne. Ouais, ma part des bénéfices. C'est quoi ta chance? Ah si. Ah non. Ça va le faire, il aura 3. Ma main est déjà pleine. Il va la one shot, c'est bon. Oh putain, ça. Non, j'ai. Parce que j'avais trop peur que ça fasse le sort qui met 2 à tout le board et oh. Mais là, en plus, il a récupéré 8 HP. Tout va bien. Tout va bien. Tu as gagné. On a gagné, les enfants, on a gagné. Ah, les enfants, carrément. Genre, c'est les enfants à qui tu parles. Ouais. Ah, d'accord. Je sais pas, les enfants, les adultes, les ados. Le monde entier, on a gagné. Allez, attaque là, voilà. Ah, mais il voulait faire son petit truc. On lui bien joué, on lui bien joué. Là, je me permets, pardon pas. Si, c'est un clic droit. C'est un clic droit, je sais pas jouer. Ah, ah bah non, on peut pas. Ah là, l'année du mammouth. Ah bah voilà, ah bah voilà. L'année du mammouth. Bon, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal, c'était intéressant. Pour fêter l'année du mammouth, ils ont donné des poussières, des poussières, enfin, ils ont donné plein de trucs. C'est l'année du mammouth. D'ailleurs, dans leur booster, j'ai une lune légendaire, j'étais trop contente. Donc voilà. Et du coup, je suis fou. Bien joué. Et bah du coup. Et ça, alors une victoire c'est que sur ce duel là ou sur ce bras de fer là ou c'est tous les bras de fer en général? Ouais non ça compte. Non non c'est que sur ce bras de fer là. Donc t'as fait 5 parties de ce bras de fer là depuis hier, en gros. C'est ça, ok. Hier j'ai fait 5 parties parce que je n'ai fait aucune défaite depuis que j'ai fait. Ok. Voilà. Bon. Donc voilà, bah c'est terminé. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer. Théoriquement lundi prochain. Théoriquement, si on peut, n'est-ce pas? Et donc j'espère qu'il va être génial, parce que tu vois, j'ai trouvé trop cool. Des fois ils sont pas forcément ouf. Des fois ils demandent les cartes de. Enfin, ils te demandent de créer un deck avec tes propres cartes, comme je n'ai pas grand chose. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais je gagne, pas un deck. Ça dépend. Coûter les boosters, mais ça coûte des sous, donc à part d'en gagner. Ça. Voilà, donc du coup, on verra bien ce que ça donne la semaine prochaine, ce sera la surprise. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre Facebook, Twitter. Les liens sont juste là. Là, par là. Derrière ma pancarte. La pancarte de Nono. Le Nono, c'est moi. Et de vous abonner à la chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, il y a le logo S-Family au début. Voilà, vous êtes sur la chaîne de S-Family, de toute façon, abonnez-vous. Si vous voulez du Hearthstone, du Pokémon, du Magic, du vide-grenier, de la pop. De la pop, pop culture. De pop, d'ailleurs, en parlant de Magic, vide-grenier, vidéo, dimanche. Hier. Bientôt. Hier. Ou dimanche d'après. Hier ou dimanche d'après. C'est compliqué. Oh mon dieu, on s'embrouille. Et après, pop qui ne devrait pas tarder non plus. Donc, exactement. Magic, pop, il y a plein de trucs qui arrivent. Plein de trucs. Ça va être génial. On adore ça. Bon, sur ce, Woody, au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.